Nouvelle vidéo avec CariousWG et aujourd'hui on se retrouve sur un tuto sur comment créer une miniature, donc comme celle-là, regardez à peu près comme celle-là en miniature comment je fais mes nouvelles miniatures. Donc c'est très simple, il faudra être dans votre menu, allez, il faudra aller sur Play Store, taper pixel excuse-moi lab Pixel Lab, vous prenez le premier. Quand vous l'avez installé, vous l'ouvrez. Voilà, donc ça c'est mon ancien. Ça c'était quand je voulais faire une mascotte. Là je vais faire un nouveau. Donc pour faire un nouveau, cliquez sur la petite croix. Ah non, c'est pas ça. Pour faire un nouveau, c'est quitter. Voilà. Ah, quitter. On rouvre et voilà. Tout d'abord, vous êtes dans cette page. Alors, ici, il faudra choisir tout d'abord votre. Vous voyez, dans ici. Ici, où il y a une sorte d'hexagone, un truc comme ça. Et vous allez choisir l'image que vous. Ah, c'est là. Les deux feuilles ici. C'est choisir votre fond. Et dans images, soit vous prenez de vos images ou bien là. Par exemple, moi, là, je vais prendre celle-là. Elle est stylée. Ensuite, pour mettre votre texte, vous cliquez sur texte, puis vous cliquez sur éditer. Là, il y aura votre texte. Vous allez taper, par exemple, comment faire, ça c'est le style, attendez, là, on va faire un peu. Un jeu, tout simplement. Faire un jeu, voilà comment faire un jeu. Après ici vous allez cliquer sur 3D, vous voyez 3D ici, texte en 3D, vous allez mettre activer, vous allez descendre profondeur, vous allez mettre le maximum. Après ici vous allez mettre ombre 3D activer, donc là comme ça il y aura des ombres. Ensuite vous allez mettre la couleur. La couleur, c'est ici, couleur. Ensuite, vous choisissez votre couleur. Moi, personnellement, je prends le bleu. Je pense que je l'ai passé. Voilà. Le bleu. Ou bien non. Si je veux le mettre à côté du bleu, on va mettre du jaune. Du jaune. Je suis sûre. Ah, voilà. On va prendre celui-là, comment faire un jeu. Ici, on va éditer. Ah non, ça, on va supprimer. Voilà. Parce que, sauf si vous voulez taper un autre texte. Cliquez ici. Pourquoi ça ne veut pas? Bref, c'est bizarre, on va le déplacer. On va le mettre loin. Là. Voilà. Comment faire un jeu. Ensuite, vous pouvez le déplacer, vous voyez, là, je vais le mettre au milieu. Après, vous allez tout simplement aller sur l'hexagone ici, là. Vous allez cliquer sur importer. Vous ramenez dans vos images. Vous choisissez l'image que vous voulez. Moi, personnellement, regardez, je vais mettre un petit like ici. Ici, je vais me mettre OK. On va descendre, on va mettre ça un peu plus petit et on va le poser là. Vous pouvez mettre où vous voulez. Personnellement, je le mets ici, vous cliquez là et puis vous mettez un importer encore. Après, vous prenez votre deuxième image, Android par exemple. Oups, c'est pas grave puisque c'est transparent. Android, ensuite importer un DAB. Oups. Que j'ai mis rond sans faire exprès, mais on peut mettre le rond parce que là c'est transparent, ça sert à rien. DAB, ici on veut mettre le tuto. Voilà. Voilà, quand c'est fait, vous pouvez encore faire plein de trucs ici, par exemple vignette, la luminosité. Regardez la luminosité ici, moi je laisse comme ça. Les tripes, la saturation. Ici, on a aussi, si vous voulez faire un autre style, enfin,
enfin le style de votre texte, par exemple 3D comme ça. Donc là c'est fait. Pour enregistrer, vous allez cliquer sur enregistrer, puis vous mettez enregistrer projet, enregistrer image, et puis vous allez mettre vers galerie, juste ici vers galerie, et puis ça va vous le ramener à la galerie. Moi je veux pas l'enregistrer. Là il y a une petite pub. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like. On est déjà aux 40 abonnés. Je vais vous le montrer maintenant. 40 abonnés, je vous remercie énormément. 40 abonnés. 41 maintenant. 41, je viens de regarder, c'était 40. Maintenant 41 abonnés. Objectif 100 abonnés. Ça change pas. Allez, je vous dis à la prochaine. Bye.